retour dans le brunch en direct sur LCI. Merci d'être toujours avec nous, 10h30. Virginie Leguet, rédactrice en chef adjointe du service politique à Paris Match. Merci d'être avec nous. L'avocat Bertrand Perrier, bien sûr. Et avec nous, Claire Charles. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Les Effrontés EES. Voilà, pour association féministe, évidemment. Et vous battez notamment en faveur de l'écriture inclusive. On va en parler face à vous par Skype. Nous sommes avec Annie Genevard. Merci d'être avec nous, députée Les Républicains du Doubs. Vous êtes également vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous toutes les deux. On va donc s'intéresser à l'écriture inclusive au cœur de la polémique cette semaine à l'Assemblée. Alors, 60 députés, des femmes, mais surtout des hommes, ont co-signé une proposition de loi visant à interdire l'utilisation de cette forme d'écriture qui lutte contre le sexisme dans tous les documents administratifs et officiels. Et c'est vrai que de plus en plus de mairies, notamment des mairies de gauche, utilisent l'écriture inclusive dans un certain nombre de formulaires. On a la ville de Paris, par exemple, Grenoble, à Périgueux, je crois qu'à Lyon aussi, ça commence à se faire, dans beaucoup d'universités également. Je sais que vous êtes très nombreux à réagir sur cette question, vous qui nous regardez, donc n'hésitez pas avec le hashtag le brunch. Avant d'en parler avec Annie Genevard, qui veut donc interdire cette forme d'écriture dans les documents officiels administratifs. Claire Charles, est-ce que ça vous surprend de voir à quel point il y a des réactions épidermiques autour de ce débat ? Oui, ça nous surprend toujours un petit peu parce qu'effectivement, dans le milieu militant, déjà, on est rodé à cette écriture. Mais par ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi ça serait une priorité de vouloir l'interdire. On nous accuse souvent de vouloir la promouvoir à tout prix. Ce n'est pas le cas. Par contre, on voit qu'en face, l'opposition essaye de la faire interdire. En période de Covid et de crise économique, il y a peut-être des sujets qui nous paraissent plus importants que celui-ci. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux, pour ceux qui ne sont peut-être pas tout à fait au fait de ce que c'est que l'écriture inclusive, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Là, par exemple, on a tenté dans notre titre d'en faire l'illustration, sommes-nous prêtes ? C'est ça l'écriture inclusive. Alors ça, c'est le point médian, c'est-à-dire que c'est un des aspects de l'écriture inclusive, et c'est en fait là ce qui est visé, je pense, dans cette proposition de loi. L'écriture inclusive, c'est plus large que ça. Il y a par exemple ce qu'on appelle la double flexion, le fait de dire les étudiants et les étudiantes. Il y a aussi ce qui prévalait à une certaine époque, qui était l'accord de proximité, c'est-à-dire on accorde l'adjectif qualificatif avec le mot le plus proche. Ou, et si le mot est féminin, du coup on accorde au féminin, même voilà. S'il y a avant plein de mots masculins. Exactement, c'est ça, le pluriel qui devient féminin. C'est ça. Donc par exemple l'accord de majorité ou l'accord de proximité comme les hommes et les femmes sont belles, par exemple. Donc l'écriture inclusive, et c'est également le fait de féminiser les noms de métiers. Donc, alors on a quelques exemples là qu'on vous a mis, les décorateurs et les décoratrices sont satisfaites, du coup, puisque décoratrice est le plus proche du verbe, et les électeurs, électrices. D'ailleurs, vous le disiez, on entend maintenant dans les discours, notamment celui d'Emmanuel Macron, qui prend toujours soin de mettre le féminin en premier et de citer les deux genres. C'est ça. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce projet de loi, c'est comme si on demandait à Monsieur Macron d'arrêter de dire les Français et les Françaises ou toutes et tous, par exemple. D'accord, oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des expressions qu'il utilise, et ça, c'est de l'écriture. C'est-à-dire qu'on fait de l'écriture inclusive sans le savoir, finalement. Tout à fait, en quelque sorte. De l'écriture et du langage inclusif sans le savoir. D'accord, on le pratique sans le savoir. Je vous donne la parole dans quelques instants, Bertrand Perrier, mais juste un mot avec Annie Genevard qui nous attend et qui nous écoutait. Vous avez entendu les arguments de l'effronté et eux, qui est avec nous en direct ce matin. C'est le nom de l'association, hein, je vous rassure. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Je voudrais lui répondre déjà qu'une langue, ce sont des règles, des codes et des usages. Et qu'on ne peut pas forcer l'usage pour le contraindre à entrer dans un schéma de pensée. Le grand Lévi-Strauss disait que l'usage devait précéder les changements de la langue. Et évidemment, l'écriture inclusive, c'est ce que vient de dire votre invité. Ce sont beaucoup de choses pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y a pas d'obstacle, d'opposition de principe. La féminisation de certains titres ne pose pas de problème. Moi-même, je suis une députée et il y a la féminisation de mots qui ne pose pas de problème. Il y en a qui posent problème, en revanche. Mais ce que je veux dire de façon générale, c'est que cette écriture inclusive, elle est née de la volonté du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes. Elle a prescrit des évolutions qui font polémique. La langue, c'est un bien commun. Il faut que la langue demeure commune. Dès lors qu'elle est objet de polémique et de discussion, eh bien, il faut trancher. Mais c'est ce qu'a tenté de faire le Premier ministre. La langue évolue malgré tout. Je vais donner la parole à Bertrand Perrier qui connaît assez bien le dossier parce que je crois que vous aviez défendu justement l'écriture inclusive devant le Conseil d'État il y a quelques années en tant qu'avocat pour le coup. Oui, en réalité, le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque en 2010 avait
fait publier une circulaire pour interdire aux membres du gouvernement d'utiliser l'écriture inclusive, mais en réalité pas l'écriture inclusive, le point médian, puisque ça, tout ça se cristallise autour de la question du point médian. En réalité, ce point médian, parce que l'un des arguments est de dire mais ça devient illisible. Mais il ne s'agit pas de lire « sommes-nous prêts ?» point E, point S. En réalité, ce point médian n'est rien d'autre qu'une abréviation. Ça se lirait « sommes-nous prêtes et prêts ?» Donc le point médian, la discordance que l'on créerait entre l'aspect visuel de la langue et son aspect sonore n'existe c'est-à-dire pas. Ça n'est pas fait pour être prononcé. Ça n'est pas fait pour être là. Prononcé. C'est fait pour être écrit. C'est fait pour être écrit. C'est une commodité d'écriture pour dire nous sommes prêtes et prêts. Après, sur la question de l'embrigadement de la langue, Madame Genevard dit, et c'est sa position, il ne faut pas forcer l'usage. Mais là, il ne s'agit pas de forcer l'usage, il s'agit de forcer le non-usage en réalité. Conviction et que la langue évolue effectivement, et s'il y a un usage en effet de fait de cette écriture inclusive parce que certaines personnes se reconnaissent dans cette écriture inclusive, eh bien laissons l'usage faire et nous verrons après si cet usage entre dans les mœurs, se développe. D'accord. Et je crois qu'il ne faut pas asphyxier et étouffer la langue. Si certaines personnes se reconnaissent dans une langue plus inclusive qui les choque moins et qui leur parle mieux, laissons l'usage faire et on verra s'il doit être consacré après. Mais je crois que l'idée d'interdire la langue, alors, d'abord ce que je veux dire avant toute chose, c'est que le combat de l'écriture inclusive me paraît assez secondaire. Ce qui compte pour moi, c'est que la société soit inclusive. Le langage est un symbole, mais oui, puisqu'il mais a une important. Fonction politique aussi, je crois que laissons faire les choses, et si ça prend, il faudra que ce soit consacré. Alors Virginie Leguet, je crois que vous n'êtes pas tellement favorable, vous, à l'écriture inclusive. Non, mais je comprends très bien la volonté de féminiser les noms des métiers et des fonctions. Je comprends très bien, c'est absolument logique, bien que parfois, quand on féminise certains, le nom devient un peu étrange. Alors d'ailleurs, pardonnez-moi, mais dans le nom que vous nous avez donné quand on vous présente... sur ce qu'on met sur l'écran, il y a toujours chef adjoint du service politique Paris Match. Alors, vous pourriez mettre chef CHE2FE. Eh bien, alors, on va le faire directement. Si vous voulez, moi, personnellement, ça m'est égal. Voilà, chef adjointe. Mais jusqu'à présent, les indications que nous avions vous concernant, c'était chef adjoint. Donc, je n'avais donné aucune indication particulière, mais voilà. Alors, vous préférez qu'on mette chef. Non, moi, je n'ai pas de préférence particulière. D'accord. Mais mon interrogation, et je vous la pose, c'est le point médian. Le point médian. Bertrand dit ça s'écrit, non, ça se lit aussi. Et pour tous ceux qui apprennent à lire et à parler le français, ça me paraît extrêmement compliqué à entendre et à assimiler. Et il me semble que nous ferions mieux nous en tenir à la règle actuellement admise pour tous. Quand on voit le nombre de fautes d'orthographe, de fautes d'accord, de fautes de lecture, d'adultes encore aujourd'hui, franchement, je me dis qu'on n'est pas la peine de surcomplexifier l'apprentissage de la langue. En plus, une autre question, et là je vous la pose à vous, est-ce qu'à force de prétendre annuler l'opposition de genre, on ne fait pas au contraire que la stigmatiser? Est-ce qu'on n'arrive pas à l'effet contraire avec ces complexités de langage et d'écriture? Est-ce que ce n'est pas un peu trop démonstratif et pas assez utile dans le fond? Il suffit de dire mesdames et messieurs, il suffit de dire des choses plus simples. Mais dire que ça peut crisper, ça peut être contre-productif. Oui, c'est ce que me vous semble. Ça stigmatise l'opposition de genre. Et je parle, et je suis une femme, et j'ai bien consciente que nous devons nous défendre et défendre ce qui est nos droits et nos devoirs. Là, je ne vois pas tellement l'intérêt. Voilà. Alors, stigmatiser l'opposition de genre, c'est-à-dire que pour nous, il n'est pas question d'opposer les genres, mais d'inclure les femmes qui sont invisibilisées de la langue et de la culture depuis très très longtemps. Donc je ne saurais pas forcément, je ne vois pas en quoi ça stigmatise en fait. L'idée, on voit que ça crispe en revanche. On voit que ça crispe. Après, je vais répondre à ce que vous dites sur l'apprentissage, parce que souvent, l'opposition qui est faite, c'est les enfants qui ont des difficultés, notamment les enfants dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, seraient dans l'incapacité d'apprendre ça, et tous les experts seraient d'accord avec cela. En réalité, c'est il n'y a pas ce que j'ai dit. Hein, bien sûr, vous êtes bien d'accord. Bien hein. sûr. En réalité, il n'y a pas de consensus là-dessus. Et de manière générale, les associations ne sont pas toutes d'accord. Et certaines disent qu'il faut simplement mettre en place des adaptations pédagogiques qui prennent en compte les difficultés. Donc, pas seulement les difficultés des enfants 10, mais des enfants de manière générale. Oui, exactement. Les enfants n'ont pas les mêmes... Je parlais des enfants bien de sûr, façon globale. Tout à fait. Mais rien n'empêche d'adapter la lecture et l'apprentissage aux enfants. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'apprendre aux jeunes enfants qui sont en pleine phase d'apprentissage
message, de leur inculquer tout de suite. Alors justement, regardez, il y a pas mal de réactions à ce sujet-là que vous êtes en train d'aborder sur les réseaux sociaux parmi les téléspectateurs qui nous suivent. On a Sandy qui nous dit « je suis contre, ça complique l'apprentissage, déjà que les gens ne savent plus écrire, ça va dans votre sens ». Et on a un autre message qui nous vient, pour le coup, d'un papa d'une petite fille dyslexique. « J'ai une enfant dyslexique, l'apprentissage de la lecture est d'une difficulté sans nom pour elle. Soi-disant inclusive, cette écriture n'inclut rien, mais exclut les plus fragiles. » Alors, vous dites que ça, c'est pas sûr. Enfin, là, on voit bien que c'est quand même assez perturbant pour une petite fille qui a, j'imagine, déjà du mal à lire des phrases « normales », entre guillemets, en tout cas, dans la forme classique de la syntaxe. Oui, ben, j'entends tout à fait le témoignage de ce père. Je dis que la recherche n'a pas de... en fait, il n'y a pas de consensus au niveau de la recherche par rapport à ça. Et toute la question, c'est de ne pas vouloir absolument imposer à des gens qui seraient encore des lecteurs et des lectrices précaires et qui seraient encore... qui n'auraient pas automatisé la lecture, bien sûr. On ne va pas faire entrer à coup de burin dans le crâne des enfants. Non, mais ça voudrait dire que c'est une sorte de deuxième syntaxe qu'il faudrait apprendre plus tard, après avoir maîtrisé le langage. Je vous propose de regarder ce que dit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle a été interrogée à ce sujet. Je ne suis pas une militante de l'écriture inclusive. J'espère que Jean-Michel Blanquer sera d'accord. Jean-Michel Blanquer nous dit, il murmure qu'il est d'accord. C'est horriblement compliqué. On a déjà toutes sortes de publics scolaires qui ont des difficultés avec l'orthographe, avec la lecture, avec l'écriture. C'est-à-dire mettre en place un mécanisme d'une complexité incroyable. Véritablement, c'est... Je pense que l'écriture inclusive est une démarche élitiste. Et moi, ce que je veux, c'est un apprentissage de la lecture et de l'écriture démocratique. Donc, je ne suis pas pour l'écriture inclusive. Voilà, Claire Charles, vous avez en quelque sorte déjà répondu, mais est-ce que c'est élitiste, finalement? Est-ce que ce sont des problèmes qu'on se pose quand on est un peu privilégié? Je voudrais juste... C'est une minorité, simplement, en plus, qui veut imposer cette règle à une majorité. Juste une mise au point. Nous, on n'est pas forcément pour l'imposer, parce que là, il est question de l'école, en fait, et de l'apprentissage. Oui. Là, moi, en fait, c'est plutôt des députés qui veulent l'interdire, donc c'est le contraire. Moi, je ne veux pas l'imposer à toute force. Je pense que c'est bien que ça rentre petit à petit dans l'usage. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit tout de suite dans les manuels scolaires? Pas forcément. Je pense qu'on peut aussi laisser les professeurs avoir le bon sens de savoir s'ils ont une classe qui va être, ou des élèves qui vont pouvoir l'utiliser et à quel moment de l'apprentissage? Est-ce que c'est en collège? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est à l'université? Et c'est vrai que la question, c'est l'interdiction. Alors voilà, c'est pour ça qu'on va se tourner vers Annie Genevard. Finalement, pourquoi cette interdiction alors qu'on pourrait laisser peut-être des expérimentations dans certaines villes, en l'occurrence pas pour l'apprentissage de la langue? Je vais vous faire réagir sur l'Académie française également qui s'est prononcée. Je vais vous lire ce que dit l'Académie française et vous pourrez réagir, Annie Genevard, parce que je pense que vous êtes d'accord avec l'Académie française, qui parle d'aberration inclusive, la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures. Alors pourquoi vous voulez absolument cette interdiction, Annie Genevard? Eh bien, cette interdiction, elle est une clarification. On voit bien qu'on ne peut pas pratiquer une langue à la carte. Une écriture inclusive avec les accords de proximité, le point médian pour les uns, et puis la langue commune pour les autres. On voit bien le risque qui se profile là, d'abord d'une extrême complexité pour l'apprentissage de la langue, et là c'est l'ancien professeur qui vous le dit, on ne peut pas imaginer qu'un même élève dans sa scolarité, par exemple en primaire, apprenne l'écriture inclusive avec certains professeurs convaincus et une autre langue, d'autres règles avec un professeur qui ne le serait pas. On voit bien que dans les documents officiels, certains... par conviction pratique le point médian et l'écriture inclusive et que d'autres s'y refusent. Il y a donc une nécessité de réaffirmer la dimension commune de la langue. C'est du reste, c'était la volonté d'Édouard Philippe, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Dans la circulaire de 2017, il invite les administrations à se conformer aux règles et aux usages en vigueur dans la langue française. En tout cas, seulement, ce qui vous gêne, c'est que vous voudriez que dans toutes les communes de France, les formulaires... Pardonnez-moi, ce que vous me dites, ce qui une vous gêne, c'est que dans des villes de France, il puisse y avoir des formulaires différents avec des écritures différentes. Ça ne vous semble pas acceptable dans la société française, venant en tout cas de formulaires administratifs officiels, de communes ou d'universités, par exemple. C'est ça? Non, pour moi, ça n'est pas acceptable. Dans la Constitution, il y a une phrase qui dit « la langue de la République est le français ». Mais encore faut-il se mettre d'accord sur la langue que nous pratiquons. Or, cette langue, elle est codifiée, elle a des règles, elle a des usages,
Et je crois vraiment qu'il est très périlleux de forcer l'usage. C'est pourquoi l'Académie française s'est prononcée très nettement en disant qu'il y avait un risque d'une langue disparate et inintelligible. Je crois qu'elle a raison, d'autre part. Mais malgré tout, pardonnez-moi, Annie Genevard, mais l'usage change. L'usage change. Une langue évolue. On ne parle pas de la même manière qu'au XIXe siècle aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de parler comme au XIXe siècle. Non, c'est parce que je vous dis, mais c'est une langue, c'est vivant et ça bouge. Et l'Académie française acte les évolutions de la langue. Il ne s'agit pas de la figer dans un état idéal. Elle évolue naturellement sous l'effet de l'usage. Mais la contraindre par militantisme, par conviction, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, si c'était unanimement accepté, nous ne parlerions pas de ça ce matin. C'est précisément parce que ça n'est pas accepté que le risque est que la langue ne soit plus commune dans son usage. Et c'est bien ça qu'il s'agit de clarifier par cette proposition de loi de mon collègue François Jolivet, que nous sommes en effet une soixantaine à avoir signé, parce que nous considérons qu'il y a véritablement un problème qu'il faut régler, qu'il faut clarifier. Bertrand Perrier, est-ce que les freins qui existent visiblement, qu'on voit avec Annie Genevard contre cette écriture, est-ce que c'est quelque part du sexisme ? Et du sexisme intériorisé pour les femmes qui sont, puisqu'il y a dans les 60 signataires un certain nombre de femmes également. Hein. Non, je ne veux pas du tout dire ça. Ce que je veux dire, c'est d'abord que la langue évolue, vous l'avez rappelé. Par exemple, l'accord de proximité, il et elle sont belles, on le trouve chez Racine. Donc la langue évolue. Et il y a aussi dans la langue, évidemment, un aspect militant. Il y a un aspect politique dans la langue. La langue, elle ne fait pas que décrire le monde, elle le construit. Et donc, mon sentiment est qu'il y a une différence entre demander à des fonctionnaires de ne pas utiliser l'écriture inclusive, ce qui peut être acceptable, et de priver des politiques, par exemple des maires, de la possibilité de le faire, parce que c'est peut-être leur conviction, parce que la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin peut leur apparaître illégitime politiquement. Et je trouve que empêcher des personnalités politiques de représenter leurs idées sur le rapport homme-femme dans la langue est un embrigadement qui n'est pas souhaitable. S'ils souhaitent le faire, encore une fois, ce sont des personnes politiques qui peuvent avoir l'idée que la langue fait bouger la société et que je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait. Mais Bertrand, vous prenez l'usage d'une langue à la carte, ce qui est extrêmement compliqué pour ceux qui vont lire cette langue à la carte. Mais vous ils savez, la liront différemment, je termine, ils la liront différemment qu'ils habitent à un endroit ou à un autre, qu'ils aient un maire qui soit pour ou un maire qui soit contre. C'est-à-dire que s'ils déménagent, ça va changer, quoi. C'est et, ça. Et ça deviendra la langue va changer. Très compliqué. Et là, je rejoins, pardon, l'argumentation de Mme Genevard, la langue doit être un bien commun à tous. Alors, je ne suis pas sûr. Des règles communes. Je ne suis pas sûr. Il peut y avoir une avant-garde de la langue qui est un usage précurseur. Alors, qui ensuite serait suivi par l'ensemble Claire de la population. Charles. Oui. Je ne suis pas pour une glaciation de la langue. Je voudrais justement répondre à Madame la députée là-dessus. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi il faudrait enfermer la langue dans un seul registre. C'est-à-dire que la langue, il y a plusieurs registres de langage. Il y a le registre littéraire, il y a le registre courant. On ne fait pas du rap comme on déclame du Shakespeare, par exemple. Et ça ne pose pas de problème parce que le cerveau humain, c'est un muscle, il s'adapte et il est capable de passer d'un registre à l'autre. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse d'une langue. Et je ne pense pas que ce soit problématique de vouloir d'avoir de temps en temps de l'inclusif et de temps en temps pas. Je vais vous proposer d'écouter ce que dit Margot Collet du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui travaille auprès du Premier ministre. C'est une institution indépendante. Elle prend l'exemple d'un manuel scolaire. Est-ce que ça peut changer, pour le coup, pour les petites filles ? Oui. Regardez. Les savants.e.s pour expliquer les savantes et les savants. On peut imaginer que des enfants, des petites filles et des petits garçons qui voient représenter dès le plus jeune âge des femmes savantes peuvent aussi, ça peut contribuer à ce qu'elles se projettent dans une carrière scientifique. On dit souvent une femme auteur, une femme écrivain. Pourquoi ne pas dire autrice ? Pourquoi ne pas dire écrivaine ? C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus court. Voilà, ça montre à quel point la langue peut être politique. C'est assez intéressant. Moi, j'ai toujours été frappé par rapport à la féminisation de certaines femmes politiques, par exemple, qui n'étaient pas favorables à la féminisation des titres. On se rappelle de Michèle Alliot-Marie, par exemple, qui demandait qu'on appelle Madame le ministre. Elle ne voulait pas se faire appeler Madame la ministre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette passe d'armes que j'avais envie de vous montrer entre Gilbert Collard et Sandrine Mazetier, qui présidait la séance ce jour-là à l'Assemblée nationale. C'était en 2013, hein, ça, ça date un petit peu. Je ne sais pas s'il le ferait de la même manière aujourd'hui, justement sur la féminisation des titres. Écoutez bien. Madame la Présidente, Madame la Présidente, je respecte la grammaire. Je respecte la grammaire. La grammaire m'impose et l'Académie française aussi. Non, vous respectez le règlement de l'Assemblée.
Voilà, ça avait un petit peu fait le buzz à l'époque, comme on dit. Je ne pense pas qu'il le ferait de la même manière aujourd'hui, Gilbert Collard, parce que malgré tout, ça a évolué. On féminise beaucoup plus. Je ne suis pas sûre que la grammaire lui imposait de dire Madame la Présidente. Il pouvait très bien dire Madame la Présidente. Mais aujourd'hui, on dit de plus en plus. C'est un argument qui paraît un peu fallacieux. On dit de plus en plus le mot écrivaine, par exemple. Il y a 10 ans, ça ne se disait pas. On dit autrice. Et ça commence à évoluer. On va quand même dans le bon sens. Il y a une évolution de la langue, de fait. Alors, je dirais même qu'il y a une reféminisation en fait des métiers, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Académie française, puisqu'on parle beaucoup d'elle, elle n'est pas vierge d'histoire. Elle s'inscrit dans une histoire qui est celle en fait qu'à partir du XVIIe siècle, on a commencé à supprimer les mots autrice, philosophesse, professeuse. Et c'était bien quelque chose de politique en fait, c'est-à-dire que les métiers les moins valorisés socialement ne s'en sont pas vus privés de leur féminin, bien entendu. Donc, c'est uniquement les métiers de lettres et valorisés socialement qui se sont vus supprimer leur féminin. Et il y avait bien un projet politique, puisqu'on parle toujours de militantisme. Ma pensée n'est pas plus engagée et située que celle de l'Académie française ou que celle de Madame la députée, en fait. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et l'Académie française n'est pas une institution légitime en matière de langue, parce qu'elle n'a même pas de linguiste. Oh bah un petit peu quand même. C'est un point de repère, malgré tout, l'Académie française. Il faut se rendre compte qu'elle n'a jamais. Elle a toujours eu le même positionnement dans l'histoire, qui était un positionnement anti-féministe. Et par ailleurs, après 40 années d'opposition à la féminisation des métiers, elle a fini par rendre un rapport favorable. Donc, elle aussi, elle finit par accepter. Oui, ça finit par évoluer. D'ailleurs, Madame Genevard, voilà. Vous avez bien dit, Madame la députée et eux, vous nous l'avez bien précisé au début de cette intervention. Regardez le dernier message qu'on voulait vous montrer, à quel point la langue, c'est politique. Regardez ce que nous dit Sandra, qui nous regarde ce matin, qui est énervée. Il faut que les mâles comprennent que la domination est terminée. Et oui, la langue, au-delà du symbole, exprime tout le sexisme de. Alors, tout le sexisme, il y a une faute en plus. Tout le sexisme de notre culture et de notre éducation. En tout cas, c'est une question qui, je pense, va continuer à nous occuper. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également. Également à Annie Genevard. Êtes-vous pour ou contre l'écriture inclusive? On vous a posé la question, vous qui nous regardez ce matin. Alors, je ne sais pas quelle est la réponse, on va voir. Est-ce que nous avons un raz-de-marée pour ou contre? On a quand même 22% de pour, 78% de contre à suivre. Il y a des courageux évidemment. Qui sont prêts à écrire. Merci d'avoir été avec nous, c'était intéressant en tout cas d'ouvrir le débat. On va se faire détruire sur les réseaux. On reparle dans quelques instants.